Quelle France dans quelle Europe? À quelques jours du scrutin, CNews et Europe 1 vous donnent rendez-vous pour un grand débat avec les principales têtes de liste aux élections européennes. Manon Aubry. Jordan Bardella. François-Xavier Bellamy. Léon Desfontaines. Valérie Ayer. Et Marion Maréchal. Par rapport à Raphaël Glucksmann et Marie Toussaint, les pupitres sont là. Ils peuvent venir à tout moment. C'est un exercice éminemment démocratique. Nous regrettons leur absence. Il y a des débats où la mayonnaise prend mieux parfois que d'autres. On est dans le climax de la campagne, ça va être évidemment très musclé. On a les chiffres clés, les déclarations des uns et des autres. Personnes entre 21h et 23h30 hier devant Laurence Ferrari, devant Pierre de Villeneuve. Au fil des semaines, on a vu clairement cette campagne se polariser. Qui a tiré son épingle du jeu et qui a perdu des points hier soir? Il y avait des matchs dans le match. Bien sûr. J'ai trouvé qu'il y avait un débat de qualité et de haute tenue. Avec des arguments étayés, hein, structurés. Est aussi émaillé par le fait que les Français ne s'intéressent pas forcément au débat. Tout le monde sait que c'est un vote qui peut être utile dès lors qu'on n'est pas devant des candidats perdus. Ce sont des politiques qui ont des projets à apporter, des visions, et donc c'était plutôt intéressant. Et c'est un peu le retour de la politique.